Bienvenue sur Mega Loot, un jeu que j'ai chopé sur Steam. C'est un RPG roguelite de gestion d'inventaire. Il est apparu dans les recommandations et je me suis dit bah on va tester, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et passif, désir caché, instinct de chasseur, attaque focalisée, esquivée. Ah oui d'accord, aventurier, plus 3%. Ça c'est les statistiques. On va prendre de la santé. Je sais pas encore. Je suis désolé Choupi, je suis sur le stream. Bon viens on pense à autre chose. On essaie de jouer à ma méga loot. Déjà le mot méga loot, tu vois, je trouve ça mignon. Donc, comment ça se passe? Attaquer, capacité, passer, convertir. Attaque normale. Garder, capacité. Attaque normale. D'accord, il a de la vie. Ok, donc j'ai buté un premier monstre et j'ai chopé de l'argent. Très bien. Et... ah, je peux acheter des petites choses en bas. Une armure. Ah oui, d'accord, je peux acheter l'armure et l'équiper. Ah oui, donc c'est mon personnage en vue un peu en dungeon crawler en fait. Ah, d'accord. Un petit marteau. Vas-y. C'est amusant. Attaque normale, ok, j'ai chopé un peu de ça. J'ai un niveau d'XP ou pas? Ou j'ai juste... attends. Oh, ça va, ok. Gravillon. D'accord, alors attends. Une petite branche, je vais garder ça. Convertir. Convertir un objet du marché en... en je sais pas quoi. Ah d'accord, en physique à l'attaque. Garder capacité. Ok, c'est très sommaire pour le coup. Attaque normale, je récupère de l'argent. Ah, je vais acheter ça. Ah, je peux pas l'équiper pendant la bataille. Okay. Faut que ça soit à la fin. Ok, là je peux l'équiper. Ah si, mais mes équipements prennent de l'XP, j'ai l'impression. Mes équipements prennent de l'XP. Et je peux le vendre, ça? Celle. Oui, vendre. Ah, attends, convertir, passer, attaque normale. D'accord. Ah, j'ai un coffre. Coffre ordinaire, sélectionné. Capacité. D'accord, et donc là j'ai trouvé une armure en bois que je peux vendre ici. Et j'ai l'impression que ça prend de l'XP. C'est très étonnant comme jeu. D'accord, donc ça c'est peut-être... attends, statistiques, santé max, combat restant d'étage 1. C'est très perturbant. Attaque magique, attaque physique, rare épée d'entraînement. Je vais garder ça. Attaque normale sur le coffre. Je vais le vendre. Ok, je fais garde. Attaque normale. Ok, j'ai chopé de l'argent. Ah oui, tiens, hache. Plus 6 d'attaque physique. Vas-y, je vais la prendre. Ah, je peux pas l'équiper pendant le combat. C'est très particulier, j'arrive pas à... c'est très bizarre. En fait, c'est super sommaire, en fait. Ah, je peux pas équiper pendant la bataille, ok. Non, c'est ma vie. C'est mon bouclier, on va dire. Ok, et mon bouclier revient à 6 à la fin de la manche. Ok, je peux équiper mon armure. Attaque normale sur le coffre. Ah, d'accord, les mêmes équipements peuvent fusionner. D'accord. Épée physique. D'accord, et en fait, oui, d'accord. En fait, c'est un peu comme dans... c'est amusant. Je viens de comprendre. En fait, si j'achète ça, du coup, après, je peux fusionner les éléments entre eux. Ah, c'est sympa! J'aime bien. C'est très sympa la manière dont ça fonctionne. Pouvoir fusionner les éléments entre eux quand c'est les mêmes éléments. Tiens. Ok, donc je peux acheter ça pour les fusionner entre eux. Et ensuite, je pourrais fusionner les autres. Ok, attaque normale. Ok. Oui. Attaque normale. Alors pour le coup, ouais, c'est assez sommaire sur la manière de procéder. Attends, je vais acheter ça et je vais le mettre à la place de ça. Je vais le garder quand même. Non, je vais le vendre. Alors, tiens, je peux prendre ça pour fusionner, pour augmenter l'épée. Je verrai plus tard. Alors, attaque normale. Sur le coffre. D'accord. Capacité. Ok, attaque normale. C'est très spécial. Garde. Attaque normale. Et donc du coup c'est ça, mes équipements prennent de l'XP. C'est amusant ça.
C'est quoi ça? Ah, c'est des petits chaussons en bois, on s'en fiche. Ok, je fais 5 de dégâts pour l'instant. Ok, garde. Oh, ils sont nombreux. Ok. Capacité. Attaque normale sur le coffre. 5 de sagesse plus 2 d'évitement. Je vais garder ce que j'ai là pour l'instant. Ok, contre d'attaque. C'est amusant parce qu'en fait c'est très sommaire et en même temps je trouve ça très chouette. C'est, en fait c'est très chill. Il y a ce petit côté, qu'est-ce que je vais trouver après? J'ai hâte de voir la fin de l'étage 1 pour voir un peu. Garde. Attaque normale. Garde. Ok. Alors. Ah oui d'accord, à chaque étage je peux choisir un... Puissance de soin fois pénétration, ok. Lanceur prioritaire devient arcanum, chair, or. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi ça? L'excédent du butin va ici. Ok. Je comprends pas tout. Et du coup, ça veut dire que mon marteau, là, quand il est au bout de son XP, il passe en violet ou pas? Ah, ça c'est le boss, non? Même pas. Non, non, c'est juste un ennemi un peu plus fort. Ah attends, ça veut dire... Ah oui, d'accord. En fait, je peux convertir les éléments derrière. C'est ça, en fait, je peux convertir les éléments... Ah oui, marcher. Putain, je l'ai pas, ça. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Bah, tant pis. Oui, ok. Ah, attends. Plastron en cuir. Ah oui, c'est pas les mêmes. Ça, c'est une armure en bois, en fait, c'est pour ça. Ah, attends, convertir. Conversion de stade de combat. Convertir. Sagesse. Ah oui, d'accord, ça je peux l'acheter. Merde, j'ai appuyé sur le mauvais. J'ai appuyé sur le bouton gauche alors que c'était le droit que je voulais faire. Zut. Zut. Bon, tant pis. Et bonjour à ceux qui débarquent. Ah, je fais quand même pas mal de dégâts maintenant. Tu vois, je t'en fais 9. Alors, du coup, je peux peut-être équiper ça. Et ça. Ok, donc plus 5 d'armure. Plus 10% de soins. Ok. Alors, attaque normale sur le coffre. J'ai récupéré ça. Ah, mais ça, je dois pouvoir le vendre en fait. D'ailleurs, vendre. 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 Bah, attends, je vais vendre le. Attends. Et non, elle est en bois. Attends, le cuir, je vais faire ça. Ça, je vais le garder à la limite. Tu sais quoi, je vais vendre. Tu sais quoi, je vais vendre les trucs. Hein. Allons-y. Alors lui, il y brille un peu, je sais pas pourquoi. Vol et évasion, ok. Ouf. Boum. Ok, contre. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer, ça. Acheter... Nanana... Convertir. J'ai un peu de mal à comprendre certains mécanismes. Ah du coup il me stun à chaque fois. Ok c'est bon. Ouah je fais rien. Ok. Rien en dégâts du coup. Ah j'ai plus qu'un PV. Ah c'est mort. Ok alors du coup je suis décédé. Comment ça se passe? Je suis pas censé être mort là? Du coup j'ai raise. J'ai du mal à comprendre tout ce qui se passe quand même. Là, il est revenu à la vie. Peut-être que c'est une fois de temps en temps. Peut-être. Ok,
Ok, là je commence à refaire des dégâts pas mal. Donc je fais 11 de dégâts. Ok, attaque normale. Tu vas bientôt prendre un level, j'ai l'impression. Ah non, d'accord, il prend un level, mais en fait c'est juste, il se transforme pas en termes de couleur, il se transforme en termes de en termes de niveau de puissance. Ok. Oui. Mais j'aime bien le système de loot et en même temps c'est très particulier. Ah tiens, sagesse, attends, je vais peut-être prendre ça. Acheter. Oui. Oh là là, 32 d'armure ça. Attends, ça il me le faut ça. Pas normal. Ah, c'est 336 d'or. Attends, je crois que je peux le bloquer pour le garder pour plus tard. Ok. Vas-y, attaque normale. Ah, je fais que 8 là du coup par contre. Ok, donc ça c'est le contre. Ah, 336 d'or la vache. Bah attends. Ouais, j'en ai besoin. Le plastron légendaire il m'intéresse. C'est amusant parce que en même temps il y a un côté où en fait j'accroche pas parce qu'il y a des trucs avec lesquels j'ai du mal, et de l'autre côté je trouve ça assez addictif et j'ai envie de continuer. C'est très spécial. C'est très spécial. Et donc du coup ça le convertit en quoi? En stade de combat. D'accord, il m'a réduit au silence. Ah, je peux rien faire. Ouah, je peux rien faire. En fait, c'est ça, c'est quand je le c'est pour eux. Et là, je suis vraiment mort là. Toujours pas. Là, je suis peut-être en fantôme alors. C'est très bizarre, hein. Je comprends pas pourquoi il y a des moments où je meurs. Pourquoi je meurs pas en fait? Il y a un moment où je suis mort quand même. Ouah, je fais plus aucun dégât. Bah c'est mort, c'est mort, c'est mort. Attends. Ah, il me soigne. Waouh. Là, je suis mort complètement. D'accord, ok. Là, je suis mort complètement. Vous avez fait mieux que 0% des joueurs. Bah évidemment. C'est ma première partie. C'est tout? J'ai pas de truc qui se débloque. Bibliothèque, objet. Ah oui, d'accord, c'est ce que je découvre au fur et à mesure. Ouais. C'est sommaire. Ah oui, d'accord, je peux choisir les bonus ou malus que je veux. D'accord. Ouais, c'est sommaire, hein. Ok. Ok, donc ça c'est mes mana, d'accord, pour lancer les capacités. Non, pas la peine. Ah, il y a une épée ordinaire. Je pourrais l'équiper après. Là. Ok. Tu sais quoi, je vais l'acheter quand même. Ah merde. Je peux mettre que. Je suis assez interrogatif quand même. Et en même temps, il y a un truc que j'aime bien, mais c'est frustrant. Ah bah non, c'est mieux ça. Bon, attends.
On va faire ça pour l'instant. Ok. Vraiment rien. Quatre armures, six armures. Attaque normale. Bah, je pourrais pas l'équiper ça. Attaque normale. En fait, je pense qu'il manque, il manque quelques éléments au jeu de base, je dirais. Ça, je peux pas l'équiper puisque j'ai atteint mon nombre maximum d'objets. Ok. Ouais. J'arrive pas à accrocher en fait. En fait, c'est trop sommaire, je dirais. Ouais. Il y a un truc sympa et en même temps, bon, bof. L'idée de base est bonne, je trouve. Mais ça manque de quelque chose. Je vais acheter. Garde. Il est où ceux qui débarquent ? Ah cool. On fera ça après. Waouh, il est blindé lui en plus. Ah, il est blindé lui. Et du coup, quand je fais ça, en fait, il m'attaque, il fait encore plus de dégâts. C'est ça. Ok. Deviens, d'accord. Ok. Ouais, ils font bien mal. Ouais. C'est quoi ça? Plus 4 attaques ennemies. Ok, parfait. Ok, donc là je passe en mode fantôme, du coup, c'est ça. En fait, tu vois, j'ai une espèce de truc genre deux vies, entre guillemets. Ouais, je suis mort. Ouais. Ouais, c'est pas. C'est pas transcendant quoi, c'est un peu je m'attendais à beaucoup mieux, beaucoup plus intéressant et en fait un peu déçu.